y en a un qui s'est couché, il a passé par-dessus l'autre. Hein? Celui-là, il faut que l'on l'envoie. Ouais, mais ils sont à moi. On est droit sur les films, hein. Attention, faut pas rester, si vous allez être mouillé. Dans ce pris au fond de vallon, il y a pauvre et seul une vache qui pleure. Je pleure mon ventre, que je ne peux pas élever. Je pleure mon ventre qu'on m'a enlevé. C'est comme ça à chaque année. Thank you.
comment que c'est fait? Moi je comprends pas. Il y a de l'eau là aussi. De ce côté là-bas, il y a pas de l'eau. Allez, allez. Attache là. Après, j'ai un sacré soleil tout à l'heure. Nico Maurice de Doigt, la Doigt qui nous accueille il y a 3 ans en arrière avec un super beau comice, le réel Poulain de Bidufour, Cédric Royer, jeune agriculteur de Cerniveau également là, le grec de Sainte-Claire et Zabilly, Arnaud Vasset de Cuvier, voilà, je crois qu'on a dit bonjour à l'ensemble de ces 38 exposants. Toujours présent sur nos voies agricoles, sur nos commissions de manifestation, Jean-Pierre Coiffier et son équipe, à parer leur Montbéliard dans leur plus belle robe. Le travail est maintenant effectué, je pense. Donc les Montbéliards sont alignés derrière les perches. La station de travail vient de fermer ses portes, nous permettre de nous vivre et de nous tenir en haleine. Sont classés par section, donc une section c'est une catégorie en fonction de l'âge et du rang de lactation. Donc derrière l'œil expert qui juge, on va travailler les filières pour les créations des équipes et avec l'équipe qui est au travail. Les animaux sont donc comparés entre eux, les juges ont en gros un quart d'heure pour les classer. On compte un prix sur ce comice. Donc derrière, un calcul est effectué et appliqué sur la piste. Bien présenté, et cette fois, on attend d'être appelé pour retourner sur les lignes pour passer devant l'œil expert des juges. Oui.
Vous avez aussi la possibilité de vous procurer le catalogue. 01 que j'ai appelé il y a quelques minutes, seulement quelques animaux sont présents alors que la section est très importante. Je demande aux éleveurs d'essayer d'amener leurs animaux le plus vite possible. Merci. Très rapidement, et les éleveurs vont pouvoir se faire une première idée de résultat avec les colis qui sont affichés dans le programme de présentation. Et avec des personnages, la 409. Et avec du lancier, la 410. Et avec le maillard, la... Alors, on est sur 150 parapluies. C'est de tous les comtés présents aujourd'hui. J'aperçois Anthony Brenaud de la commune de Montrivel. Anthony, tu n'as pas une liste. Tu sais pas. Non, tu t'occupes pas du comté aujourd'hui. Voilà, je sais. Non, mais en tant que sociétaire du Montrivel, je pensais des fois que tu présentais Montrivel ici. Voilà. Une pause gastronomique, une pause de dessert, une pause invalide, et on se ressource. Je fais pas toute la soirée avant. Du Laurent des associations, à la fierté de qui vous invite de 14 à 17 heures au Forum des associations. De notre podium. C'est un petit clin d'œil, bien sûr. Bravo à Guillaume pour cette vache qui s'est classée 4e de section. Très bonne génisse, une génisse. On offre la cloche, c'est la famille. Oui, on offre la cloche. Oui, cloche de crédit. Trois pays Crédit Agricole. Oui. Une cloche offerte par le Crédit Agricole pour ce prix de meilleur mamelle. Cette génisse présente tout ce qu'on recherche dans les attaches.
Au niveau de la hauteur derrière, elle est très haute. Sa mère a produit en première lactation 305 jours, 6859 kg, 35,4 et 32,2 de taux protéique. Animal élégant, Camelot est un fils de Oxalin sur Mistouflon qui est en cours d'annexation pour lequel on attend de très très bons résultats, notamment au niveau du post-mamel, secteur-mamel. Attache avant longue, attache arrière, haute large, crayon bien implanté, très bon crayon, très, très bien dimensionné. Bravo, bien dépersonné. Animal de grande taille, avec beaucoup d'ouverture de flanc, beaucoup de capacité dans cette jeune vache. Animal très complet, animal qui présente une super mamelle. Elle attaque sa troisième lactation. L'attache arrière très haute, enfin c'est un peu ce qu'on retrouve dans les filles d'Octère, hein, des mamelles qui se conservent bien, qui engrangent bien la production. Au niveau de son état corporel, la vache pourra avoir à peine plus d'état corporel. Par contre, elle présente beaucoup, une très bonne capacité et également de très très bons aplombs. Les tourbières qui vont venir nous voir. Jean-Marc qui continue. Allez, on y va. Alors voilà le régional de l'étape. Hein. C'est vrai qu'à Arthur, on se rapproche de la Suisse, ça va doucement. Et voilà, elle est arrivée sur le podium. Le gars avec la charlette nous présente Air France. Ça arrivera à l'heure. C'est une fille d'Olifax qui a produit en troisième lactation 305 jours, 9366 kg de lait, à 37,7 et 29,8 de taux protéique. Cette vache est classée 10e de section en synthèse. C'est une vache qui manquait à peine d'état corporel aujourd'hui pour figurer dans les premières places. Par contre, ça lui enlève rien de sa qualité au niveau de ses pattes, au niveau de sa morphologie globale, au niveau de sa capacité. Et surtout, c'est un animal, aujourd'hui on peut lui expliquer son état corporel, qui a beaucoup produit. Bravo Gag la Charlette. La note conformation rentre aussi en ligne de compte. Et donc c'est la vache, entre guillemets, la plus rentable du comis. Elle a su garder une bonne morphologie, elle a su garder une très bonne mamelle, elle a produit beaucoup. C'est ce qu'on recherche dans la race. Pour votre information, c'est la mère du taureau Tambon. Eh oui, alors on attend soit Bruno Cordier, soit son fromager. Ah ben oui, Laurent Burlet. Alors notre ami Laurent Burlet qui a été le pionnier, qui a été un des piliers, qui a fait les fondations de cette Côte de la Baroche. Monsieur Laurent Burlet, s'il vous plaît. Bravo donc à la Côte la Baroche. Tu restes pour la photo. Et mon cher frère Poirot avec la Côte de Pied-du-Fou. Alors là, il y a des deux fromages qu'on n'a pas pu les partager. Ou qui sont tombés ex aequo. Ça peut arriver. Ils sont ex aequo.